open bar group. Désolé, désolé. Allez, sort, 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 sort. On a, là, venez, venez. Allez, mon pote, tu descends. On va faire la jugulaire. Monte. Et dans la jugulaire. Et alors, la suite des aventures des Matureuses, les amis. Envoie un message compté là. Oh, j'espère qu'il s'est pas fait soulever lui. Anisla, Tarzan, Erza Bizarre. Les trois aujourd'hui? C'est bizarre cette histoire. Ouais, monsieur. Wouah, mes oreilles, c'est bon ou quoi, Stanislas? Ça va, monsieur? Ouais, t'es parti à Zumura aujourd'hui? Oui, c'est parti à Zumura. Est-ce que l'imam à la fin du discours, il a dit fuck off? Starfola, mais double Starfola, mais triple Starfola avec mensuration de Starfola. Lâchez le micro, fuck off. Non, mais c'était un fuck off halal, tu vois ce que je veux dire? Mais il comment marre, ça, la mais génération non d'aujourd'hui, fuck off. Mais t'es malade, mais ça. T'es vraiment un fou, hein. Bah ouais, là j'ai contacté Netflix pour faire une émission qui va s'appeler Le Nouvel Imam. Donc, Le Nouvel Imam, c'est-à-dire en fait ils vont passer un casting pour élire le meilleur imam, quoi, tu vois. Il y aura différents castings, il y aura une épreuve de clash, donc one vs one. Ah oui, il y aura un featuring, et le jury sera... Il y aura Chalgoumi. Chalgoumi, d'accord. Il y aura Chalgoumi, et il y aura Jacques Attali. Donc vraiment, oh merde. Oui, t'as raccroché. Non, je crois qu'on nous écoute et ils nous ont censuré, Royer. Ah oui, c'est possible. Je peux pas te dire c'est qui, mais t'as capté, quoi. Ok, monsieur, moi je te propose de venir au commissariat, j'ai une petite surprise à te montrer. Ah ouais, j'arrive tout de suite. Au commissariat, ouais. Pourquoi au commissariat? T'inquiète, tu verras, j'ai fait une dinguerie. Oh, ouais, d'accord, j'arrive, vas-y. Allez, viens, monsieur. Putain, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, monsieur. Ouais, salut, Stan. Ça va? Ouais, ça va, et toi? J'avais une surprise, mais ils l'ont effacé. Ah, t'avais tagué. T'avais écrit, j'ai tagué. Mathieu, le meilleur dealer de la ville avec des grosses armes. Oh, t'es un bon. T'as vu le lizard ou pas? T'as vu le lizard? Ah non, c'est pas la puce. Vas-y, viens, Stan. Ouais, j'arrive. Let's go. Oh merde. On peut conduire? Jamais de la vie, on va pas arriver en. Attends, y'a Walid qui m'appelle. S'il te plaît? Ouais, Walid, ça va ou quoi? Ouais, ça va ou quoi, Mathieu? Mais t'as disparu, croyant? Non, disons que je travaille. Bah ouais, mais tu vas faire quoi là? Nous, on va à la mine, y'a un truc. Ah, vous êtes à la mine? Ouais, 21h45, là, ça va commencer. 21h45? Ouais. Moi, je suis avec Junior. Vas-y, on se capte là-bas. Non, tu peux venir me chercher? Là? Mais là, je suis déjà en route, là. Tu vois quelqu'un, là, ou quoi? Ah, gosse, c'est la bordel. Oh wow. Il y a un hélicoptère bizarre. Oh ouais, mon dieu, moi, j'aurais foncé dedans. On atterrit sur tout le monde, ça explose et tout. Oh non. Oh, ça donne trop envie, en vrai. Oh, j'avoue. Oh non, fais pas ça. Oh putain. Oh non. Allez, accroche-toi, bébé, accroche-toi. Let's go! Oh le flop! C'est mort, on l'a pris raccourci, non, mais on l'a pris raccourci, frère! Oh merde! Oh dommage! On est arrivé comme une pyrique sur les souples, hein! C'est ça, ouais! Ah, bismillah! Comme vous dites, hein! Pourquoi? Allez, viens! Bonsoir à tous! Ah, j'ai tout fait pour esquiver, il est arrivé là tout pour comme! Eh ouais! Qui s'en fout? Moi, perso, je m'en bats les couilles. Ah, moi aussi. Je vous demandais de vous taire et de m'écouter. Oh, il est trop dangereux. Refaites un commentaire encore une fois, vous, d'accord? Et vous prenez une balle entre les deux yeux. Ouais, je vous le ramène. Voilà, je vous le ramène. Arrête, j'ai rien dit. Ce soir, nous avons prévu quelque chose pour vous. Sauf que ce soir, vous allez devoir vous entraider. Pour certains, comme pour d'autres. Vous allez devoir être efficace, rapide, être agile et travailler en équipe. Vous voulez sur le choix? Nous allons choisir deux groupes, et dans chaque groupe, il y aura un représentant. Les représentants seront les personnes qui ont été les plus efficaces. Excusez-moi, messieurs Big Up. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, allez-y. Hein. Vous allez devoir choisir un groupe avec qui vous allez collaborer cette nuit. A vous de choisir les bonnes personnes. Vous pouvez les choisir en premier, Baby Driver. Du coup, je vais prendre les White. Ok, ils ont pris les White. Qui choisissez-vous? Plouf, ça sera toi que je choisirai. Vous. 2, 3, 1, 2, 3, les Indiens. Ouais! Super! Baby Driver, vous choisir? Y'a qui comme groupe là du coup? Regardez bien autour de vous. Alors je vois. Mettez pas. Ils ont à choisir. Ouais. T'es maintenant. Families! Pas pour qui? Ouais. Mon gars, merci mon gars! Mathieu Bustamayer, on est un groupe de dunes. Il rate quelque chose, ouais. Ah, Bunta? Les 50s. Mathieu, c'est sûr, on va être les derniers, toi, vas-y. C'est sûr! Moi le dernier, toi d'abord, toi. Ah, celui qui a les mains là-bas, là. Ah ouais. À nous, c'est nous. Ouais, c'est nous, ouais. Vous êtes. Et les guépards. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Oui, ouais, on a un groupe de deux, ouais. Ok. Le driver. On va tout péter. Il y a les los, là. Ah, du coup, on est avec le bleu. Ghost, on le sauve. Ouais, ok, ça marche. Le driver, parmi toutes les équipes,
Seulement 2 participants par groupe devront qu'à participer à ce soir notre événement. Choisissez bien qui voulez-vous faire participer, car il n'y en a que 2 par groupe. Bien, nous, on n'est que 2. En gros, notre équipe de Baby Driver, il n'y aura que 2 Baby Driver. Bien, nous, on va participer. Mara, y compris que 2, 2, 2 et 2. Attends, Mathieu, viens, on embrouille, Des Black Reaper, Octavia, tu peux aller sur le côté, le banc là-bas. Quoi? Le bon, s'il te plaît, on prépare des sandwichs, s'il te plaît. Ouais, hein. Prépare les gourdes. Nous, on est deux, donc on va participer. Eh ouais. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est madame la proc, c'est ça? La procureure, oui. La procureure, super. Je me présente, Mathieu Rennes, PDG du Burger Shot et du Galaxy. Et bon, j'avais notifié mon avocat, M. Crawford, mais ça fait 10 jours que je le vois pas par rapport à l'achat du Galaxy. Donc il faut faire ça en bonne et due forme. C'est pour ça que je voulais prendre rendez-vous avec vous pour qu'on se voit et pour qu'on mette ça au clair, quoi. Bah écoutez, là je suis en consultation médicale, mais d'accord. Normalement c'est bon. D'accord, ok. Bah moi je fais juste une organisation, je veux dire rendez-vous, enfin bref. Je fais du sale, après j'arrive, d'accord? A tout à l'heure. D'accord, bah écoutez, vous me rappelez, ouais. Sérieusement, l'imam il a dit quoi aujourd'hui hein? L'imam il a dit quoi aujourd'hui? Ouais. L'imam aujourd'hui il a dit que... Il était énervé. Il ne va pas. Ouais, ouais. Comment ça l'imam? Bah l'imam quoi, il a dit quoi? Il a dit quoi l'imam? Vas-y. L'imam aujourd'hui il a dit que... Que la nouvelle génération il parle pas arabe. Voilà. Fuck off. C'est son parole l'imam. Et après il a dit ça. C'est bébé, je parle quoi ça. Fuck off. Ouais. Fuck off. On dirait mignon. Fuck les jeunes. I drop the mic. Boum. On commence dans combien de temps là? Je suis chaud à défoncer des gens là. Là là bah ils sont partis mon gars. Tu t'es pas parti? Hein? Qui est parti? Ils sont partis les deux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai dit ouais, je suis gamin. Je t'ai pranké mon gars. Ah ouais, putain, tu m'as fait stresser là. Désolé, pardon. Pardon. C'est parce qu'elle voulait pas sortir avec toi. Voilà, c'est abusé. Pardon, pardon. Attends, c'est Junior. Pardon. Ouais, c'est moi. Ouais, ça va, Junior? Ça va, les gars. Attends, mais faut que tu parles aux organisateurs là. Je les soulève. Non, non, faut que tu leur parles. C'est les mecs là-bas là. Avec les grosses armes, tu couches, tu couches. Bah que tu veux participer, t'es venu en retard. Attends. Ouais, bah, ça va venir. Ouais, ça va toi. Ouais, ça va. Ouais, tranquille, attends. Ah, viens, on va voir les organisateurs, on va leur dire qu'on. Je crois qu'il faut se mettre dans le. C'est les mecs là-bas, les armes. Ah, on fait la Didi dedans. Vas-y, nous, on a pas de chance, on est avec les maras, nous, vas-y. Vous avez peur, hein. La ferme, on va vous écraser. Bah ouais, Théma, ça danse, ils sont crus où là? Oh, il a touché un mec. Oh là il va aller. Je crois que t'es vraiment fort mec là. Ouais, c'est mais non. Mais c'est que t'es perspicace. Revenez. Retournez à vos occupations. Gracias. Une et deux, vous allez rester ici. Et je vais vous expliquer. Allô. D'accord monsieur. Perfecto. Votre objectif sera d'aller à un lieu précis. En ce lieu, récupérer une cargaison et la ramener jusqu'ici. D'accord. Rien de compliqué. Non. Maintenant. Oui monsieur. L'équipe adverse est autorisée à mettre des bâtons dans les roues. Quand je dis mettre des bâtons dans les roues, c'est ralentir la cargaison et non pas braquer. Vas-y. Donc vous deux vous aurez la même mission. Tous les deux vous devrez aller livrer. Mais vous devrez aussi gêner l'autre équipe. A vous de savoir comment départager et mettre combien de personnes qui vont livrer et d'autres qui vont gêner l'autre équipe. D'accord. C'est vous qui décidez à reprendre le rombo. Et vous serez en tout cas en primo. Voulons équilibrer les deux équipes. Pour éviter les désavantages. Parfait. Merde, ma jugulaire, putain. Je sortirai les véhicules. Bon, les gars, c'est qui les bons pilotes là pour gêner les gens? Moi, c'est trop saut, moi, de ouf. Oh, ouais, non, ouais. Stan, toi, tu touches même pas un volant de ta vie, toi. Un crack. Non, là, les gars, si vous voulez gagner, Stan et ça, il faut pas qu'il soit proche d'un volant. C'est un jaloux, parce que si tu mets que lui, c'est plus fort que lui. Oui, il est jaloux. Oui, je suis jaloux, oui, tout à fait, ouais. Moi, qui veut conduire le rampo? Moi, je m'en fous, je peux conduire si vous voulez. Vas-y, Diana Jones, vas-y toi. Vas-y, moi je porte mes couilles, je prends le rompo. Moi, ce que je propose. Ah, sinon, on va l'aider. Attendez, les gars, vous voulez qu'on soit genre. Faut qu'il y ait... vous voulez que le rompo il soit full ou bien genre on met un chauffeur et tout le reste. D'accord, ok. Tout le reste, un véhicule chacun. En vrai, faut voir si on a un véhicule là. Bah, ça dépend combien de véhicules on a en fait, tu vois. Eh, mais si on aura combien de véhicules? Vous ferez partie de l'équipe rouge. D'accord. Pour récupérer les primos rouges quand elles seront disponibles. D'accord. Quelle est votre question? On aura combien de primos à notre actif? 5 primos par groupe. Combien? Donc chaque équipe sera composée de 5 primos. Ah, 5 primos, okay. En ajoutant le rompo. D'accord, ok. D'accord. Là, on est combien? Ça fait 6 véhicules en tout, ouais. A vous de savoir qui 10. Protège. On est 13, on est 13. Les gars, et bah... un dans, problème, un dans, le mien. 1, 12, 5, ouais, il y en aura. 2 dans chaque. Et il y en a un 3 dans chaque véhicule. Il va falloir 3 dans une primo et 2 dans ouais, c'est ça, ouais. Eh, monsieur, on peut percuter genre les véhicules ou pas?
comme j'ai dit, vous gênez vos adversaires. D'accord. Mais ne tentez rien de suicidaire. D'accord. Elle est belle votre voix comme ça, je préfère. Non, je préfère comme ça. Bon. Ah, d'accord. Mais en fait, c'est simple, tu fais une formation tortue autour du rompo, c'est réglé. Les gars, la vie de ma mère, écoutez, j'ai un plan. Vas-y, on t'écoute. Écoutez, vous voyez qu'on va sortir du truc, vous voyez le dinosaure rose ou pas? Ouais, bien sûr. Mais ça peut-être comment on y va. Ça dépend, oui, on sait pas ce que c'est. Où. Il y aura deux positions, une au nord, une au sud. Donc désigner aléatoirement quelle équipe ira au nord et quelle équipe ira au sud. Une fois arrivé au lieu du rendez-vous, vous récupérez ce que vous trouverez dans le rompo en face, vous chargez dans le vôtre et vous ramenez le rompo qu'on vous a confié rempli. Première équipe qui aura ramené le rompo chargé avec la cargaison que nous avons prévue au lieu du rendez-vous aura remporté cette épreuve. D'accord. Sachez que ce soir, il y aura 3 épreuves. Ce n'est pas parce que vous n'aurez pas remporté la première que vous ne pourrez pas remporter les autres. Sait-on jamais, si vous êtes bloqué et que vous ne pouvez plus avancer, vous avez l'autorisation de braquer les adversaires pour vous dégager. Au niveau des flics, là, on est bien d'accord, on les ramène pas ici. Hein. Ouais. Je vois un flic ici. L'équipe qui m'aura ramené les flics nous aura sur le dos. En vrai, nous, si on est dans le nord, on est bien. Hein. Faut être dans le sud, Non mais passage. Le truc, pourquoi pas le sud? C'est les flics sont trop énervés dans le sud. Ils vont voir des convois et tout, laisse tomber, c'est mort. La vie de merde, j'ai un plan en tête dans le sud, il est carré si on te met le sud. Ah ouais? Bah ouais, et en plus dans le nord pour le bloquer. Bah quoi? Vas-y, la position de l'équipe numéro 1 sera la position au nord. La position de l'équipe numéro 2 sera la position au sud. Super. Nous allons donner la position à chaque représentant d'équipe. À partir du moment où vous sortez de la mine, du champ de mine, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à lancer les hostilités. Très bien, monsieur. Que ce soit pour l'aller ou le retour. Le retour, à partir du moment où vous rentrez dans la mine, vous mettez fin aux hostilités. Du coup, qui défend, qui attaque? Moi, j'attaque. Ok. On se défend avec Burico. Vas-y, moi je vais. Moi, je sais pas en vérité, je vais. Voilà, je sais pas si j'attaque ou je défends. Donc, deux défenseurs, les mecs. Bah les voitures à 3, c'est les défenseurs, les voitures à 2, c'est les attaquants, ça vous va? Ok, vas-y, bah moi je défends. Commençons. Allez, Libek, on reste soudés. C'est ça, tiens, quand t'es passé en premier. 3. On va les bloquer, à cause. 1. C'est parti. Let's go! Donc les voitures à 3, vous défendez. Doucement, les touchez pas. Les gars, les hostilités, c'est après la mine. Ok, moi descends. Ah, écoutez, c'est qui va me suivre? Moi je suis sûr. Deux voitures à trois. C'est une petite chanson pour te détendre. Bon écoutez, les mecs qui me suivent, venez dépêchez-vous, vous allez bloquer. Ouais, je suis derrière toi. Oh, les voitures à deux conducteurs, vous êtes où là? Le rompo il monte vers Paléto là, on est au YouTube là. S'il vous plaît, bougez-vous. On arrive. Marabouta. On court, c'est bon nous. Attends, mais le rompo il est descendu, qu'est-ce qu'il a foutu? Eh, je sais pas, j'ai pas de problème. Il a bombardé, je pense. Il a bombardé, ouais, je pense. Voilà, deux voitures sur nous. Ouais, j'arrive, la voiture. Fanisla, c'était où? Là on est toujours derrière le Burico. Oui mais où, vous êtes où? Vous êtes dans le sud déjà? Vers les maras, on arrive là bientôt. Oh, niche là, je sais pas quoi, les mères t'es trop nul. Oh ta mère. Ça y est, stop. Moi je suis à 3 km avec le rompo, j'arrive. Sérieux? Moi un 20... Attends, mais t'es passé par où toi? Bah j'ai dû passer par des chemins pour qu'ils bloquent les prénoms. Ah oui d'accord, ok. Bah vas-y, moi je sécurise la zone sur 1 km. Non, il y a la pause, c'est derrière niveau poste de surveillance là, au niveau de la plage. On descend, nous, on est prêt à charger le rompo. Eh, vas-y, eh, viens, je te charge direct le rompo, d'accord? Bah, c'est bon, j'ai là le rompo, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, pour changer. C'est bon. Allez, go! Vas-y, go. Allez, on démarre. Bah, du coup, les gars, on reste derrière vous, d'accord? Défenseur, une primo devant, une primo derrière. Bah, appelle un mécano, mon gars. Primo. T'arrives. Vas-y, attends, je vais les gêner. Attends, pas maintenant. Ah, y'a une primo rouge derrière aussi. Écoutez, quand je vais monter vers les villas, vous allez bloquer, ok? Les gars, vas-y, prends maintenant. Rompo bleu, il est parti. Non, passe pas par les villas, pourquoi je mets un rapide? Il est où le rompo bleu? T'inquiète, mais non, l'autoroute, ils vont péter. Vas-y, le rompo bleu, s'il vous plaît, les gars. Rompo bleu est parti, ils sont dans le pays. Vas-y, bloqué ici, là, le virage, bloqué ici. Wow. Bloqué tout ici, pas qu'il reste. Les gars, vous êtes tous bloqués, là. Mais il est passé devant, les mecs! Allez, Stanislas, allez, fonce. Sa grosse daronne, je m'en occupe de personnellement lui, attendez. Les gars, c'est. Oh le blocage! Ah ouais, le blocage du grillard. Vas-y, prenons ton juste, je le bloque derrière. T'inquiète, t'es aussi, t'as la mine. Ok, c'est en contre-sens, il remonte au niveau du tunnel Paléton. Ouais. Voilà, il a perdu, il a perdu. C'est bombardé, le mec en compo. T'as vu? Attention. Ouais. Il passe le pont, le tunnel du Paléto. Bon, t'es le meilleur. Elle est à côté derrière nous.
Ils remontent la prime bleue, c'est gaffe. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont au gros silo, le rampo bleu. Fait n'importe quoi là, Iker, vraiment. Il me faut pas, je vais m'exploser. Mais je peux le ramener alors que c'est qui me suit? Bah oui. Oui, tu peux, tu peux. Je t'ai fait un petit droit, tu perds du temps pour rien du tout. Il va arriver à la mine, hein. Ah, il arrive à la mine. Oh, bloquez-le à la mine. Je peux pas, je suis tout seul depuis tout à l'heure. Et pourquoi on est 5 nous sur défense en attaque? Je sais pas, j'ai dit 3 en attaque et 1 en attaque et 2 en défense, personne n'est cool. Bon, ils ont percuté derrière, on a perdu les gars. Ils ont ramené l'autre combo. Pas loin, je crois. On a fait tout le grand tour aussi, hein. Ouais, on a fait le grand tour de fou, on a fait un tour de malade. T'as lui, c'est qu'il a gagné la chérie à cette fois. Notre burrito est arrivé, notre burrito est arrivé. Ah ouais? Allez, faites ta faute, ta foire. C'est toi dessus. Bah alors, en fait nous on a fait un grand détour de fou, t'as vu? On a été super rapide de l'aller. Mais ouais, en fait j'ai pas compris pourquoi. On avait personne, j'avais personne sur moi, il aurait pu nous suivre, tu vois. Il a fait une strat de fou, il a. En fait il a joué trop sur le stress et tout, genre on s'en fout. Mais droit au but. Ouais, t'es pas cherché à droite, à gauche, les montagnes, les collines, tout droit, autoroute, tout droit. C'est tout. Le burrito route, on est où là? On arrive là. Ouais, c'est un peu dangereux ce que tu nous proposes. Oh là là, oh là là. Non, oh. Ouais. Regarde, un chat retombe toujours sur ses pattes. Hop. Regarde, hop, toujours sur les pattes, on a dit. Et pousse avec moi, pousse avec moi. Ouais. Oh, nickel. Ouais. Ah, bon allez, c'est bon, on est arrivé. Ouais, c'est là. C'est bon, on est arrivé. Mathieu, regardez. Ouais. Je vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé le problème. Non mais c'est trop, en fait on a fait un détour de malade avant l'année. En fait, en plus c'est rien parce qu'ils connaissent pas la pause en bas. Ils savaient pas la pause, j'ai pas compris pourquoi on a fait. Qui? Allez, les autres. L'ennemi ne connaît pas la pause, donc pourquoi faire un détour? C'est pour ça, j'ai pas compris. Félicitations à l'équipe 1, qui était plus rapide. T'inquiète, après. Mais quelque chose de trop bête, là. Mais ce n'est pas terminé. Maintenant, 3 tags cachés en 3 zones différentes. Oui. À Los Santos. Pour remporter la deuxième épreuve, il vous faudra trouver ces tags, envoyer une photo au numéro qu'on vous fournira, putain, une personne de votre groupe à côté du tag. Vous aurez toutes les informations sur les lizards, sur où chercher, quoi nous envoyer. Ok, perfecto. C'est clair. Commencez à vous diriger vers Los Santos, vous aurez les 3 tags à trouver. Le numéro de téléphone. Vas-y, c'est pas bien. Vous pouvez prendre vos véhicules personnels si vous voulez. Ah, bah ça va alors. Okay. 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 Savoir, comme nous l'avons précisé, les 3 tags se trouvent à Los Santos. Ça sert à rien d'aller au nord. Ouais, okay, voilà, c'est ça. C'est dans le sud. Mathieu, tu connais la ville par cœur, vraiment par cœur. Bon, ça veut dire, dès que je te donne une info, t'y vas. Allo, ouais, vas-y. Au pire, mets-toi au milieu de la ville, dans vers là, vers l'hôpital, tu vois. Les tags, ils ont déjà été mis, les gars, là. Ouais, ouais, cherche des frais que t'as jamais vu. Tu peux pas connaître les frais, ok, vas-y. Ah, là, ça commence déjà. Ouais, là, ça commence, là, commence, là. Oui. Ah, attention. Oh mon dieu, ça arrive, ça arrive. Ça va? Ça va? Ça va? Le casque, mon dieu. Putain, en plus, on a annoncé qu'on était Vinewood 2. Allez, viens, on va à Mirror Park, voir si on trouve des trucs. Là, là, non. Non, c'est pas ça. Putain, ça a l'air trop bien. Il était déjà là, celui-là. Ouais, ça, ouais, il était déjà là. Putain. En vrai, t'as vu, ils peuvent le casser comme ça, ouais. Ouais, ouais, je veux le café. Ils donnent pas d'indice, les mecs, en fait, là. Mais y'a rien, c'est trop bon, là, t'entends, frérot. Attends, je regarde l'hiver. Attends, attends. MMC, Vinewood, The Ass, Raven. Attends, attends, va Vinewood, va Vinewood, va Vinewood. C'est la barre, va Vinewood. Attends, y'avait écrit quoi? Raven, The Ass. Ouais, attends, Wardog. Non, en fait, y'en a trois, là où ils sont. Ouais, Vinewood, Burton et Wardog. Les gars, MMC, vous avez vu le. Quoi MMC. Vous avez vu les gars, Lizard ou pas? Ouais, ouais, on a vu. Vas-y, alors, vas-y, MMC, moi je vais Vinewood, moi je vais sur Vinewood. Ok, on vient aussi y'a sur Vinewood. Y'a pas de pause, y'a pas de pause. Quelqu'un va avoir deux gars. Ok, y'a du monde qui cherche partout sur Vinewood. Ça ira avec les gars. Oh, y'a trop de monde là. Ah, des perturbateurs ont effacé nos tags. Oh, bah super. Oh, bah putain. Chacun de nos hommes sont placés en position des tags. Rappelez-vous qu'ils peuvent être n'importe où, ouvrez les yeux. Ok, bon, maintenant attends, c'est des hommes, maintenant c'est des mecs, voilà, c'est des mecs. Va vers là, va vers là. Mais voilà, c'est sûr qu'ils sont en hauteur. Bah, là, on a rien au niveau du sol. Ah, imaginez, Vinewood, ce serait pas les lettres de Vinewood là dans la montagne. Non. Oh, attends. Je pense pas. La tête de Wham. Non, là, ce serait bâtard quand même. Bah, ce serait bâtard, mais. Oh, mais t'es un génie, toi, en vrai de vrai. Bah, vas-y, mets-moi la pause, mets-moi la pause. Attends, en vrai de vrai. Enfin, on a rien à perdre. Il y en a pas de quoi. Ouais, de toute façon, il y en a qui sont sur Vinewood, donc on s'en fout. Oh, attends. Ils sont faux, mais c'est bien. Ok, je le vois sur Vinewood. Écoutez-moi les gars, vous me suivez? Ouais, ouais, on t'écoute. Vous voyez le tatoueur? Et bien au-dessus, sur le Au-dessus du tatoueur.
Vous avez vu sur le toit? Je le vois là, il y avait des jumelles. Sur le toit du tatoueur. Je sais pas comment on fait pour monter par contre les gars, mais montez. Il est sur le toit du tatoueur, il est là. Au cinéma là, le cinéma. Ok, va derrière. Allez-y, descendez, vous prenez la photo. C'est bon la photo, devinez-moi d'être envoyé. Vas-y, bah moi je vais. Nous on va patrouiller avec Stan et l'autre sur Burton. Vu que je suis en hauteur, je vais continuer à jumeler vers là-bas, voir si je vois quelque chose, les gars, je vous dis. Mais t'es en hélicoptère toi ou quoi? Pour avoir des infos de fou comme ça là? Non, je suis sur le toit. Il a lâché son meilleur drone et tout. Je suis en train de regarder. Les gars, c'est. Je vous avais dit les gars. Comment ça descend? Ça va? Oh merde, le conducteur il est où? Il est derrière. Là, il est par terre là. Oh, il faut te faire écraser. Oh, je suis désolé les mecs. Bah, je sais pas ce qui est en retard, mais vas-y force. Hein. On a un truc à trouver là, désolé. Ah ouais, on a pas le temps, frère. Vraiment, on a pas le temps là. Il y a nos collègues indiens, ils ont trouvé la pose à War 2. Oh, stylé, donc il reste que Burton. Vas-y, bon focus Burton. Stan, tu vois quelque chose de bijouterie ou pas? Non, on a tout fait, RF. On redescend. Ok les gars, c'est bon. J'ai Burton. Il est où? Il est où est-ce qu'elle est la synagogue bizarre là, à côté de la mairie? Synagogue okay, bizarre, à côté de la mairie. Allez, vas-y, okay, on a les trois là. C'est la dernière là. En plus, Froid, l'avait vu quand t'étais sur le toit. Il est là? Ouais. Mais bon, là, j'ai cherché en plus. Tu sais que moi aussi, derrière, quand. Sur le train de la bijouterie, je l'ai vu. Attends, t'as besoin de quelqu'un pour la photo ou pas? Ouais, c'est bon. Il était en hauteur? Ouais, il était en hauteur. Putain, t'as vu? On est con, on a regardé combat. J'ai regardé combat, moi, comme Ahmar. On se calme de la mine? Ouais, on se prend la mine. Qu'est-ce que la vie est belle? J'ai envie de dire. C'est le week-end en plus. Ah là là. Oh, c'est bon, ça me casse les couilles. Ça fait du bien. Attention! Mais quel génie! Attention! Mais quel génie! Ah mon dieu! Mais quel génie! Ah, ça fait mal un peu. On est vraiment les meilleurs! Aïe! Oh putain. Désolé. Désolé les gars, désolé. C'est moi, désolé. Excusez-le, il est un peu étourdi. Hein. Ah, il va venir avec moi tout de suite là. Venez, avec moi là. Mathieu, dis rien, Mathieu. Mathieu, viens, dis rien. Tout à l'heure, il a buté un mec. Quoi? Ouais. Ça va, monsieur, j'ai pas fait exprès. Mathieu, on voit derrière le mur. C'est à cause de l'adrénaline, c'est le stress, c'est pour ça. On voit derrière l'autre. Faut désolé quoi. Ah ouais? Ils sont pas aigris, ils font juste derrière. Où est-ce? Ok, alors là. Là, tu m'as cherché, mon pote. Est-ce que vous dormez parfois? Parfait, merci. Je vous en prie. Parce que en fait, ça reste entre nous. Vous avez l'air ténébreux et tout dans tes pas. Dans notre équipe, il y a que des tocards, mais alhamdoulilah, on est intelligent quoi. Comment ça, des tocards? Mais on est trop fort. On est que des tocards, frère, que trop fort. Alors, Andrew, pas trop dégoûté? Si, j'en ai un petit peu gros sur la patate là. Andrew, le score il a changé, hein. Mais ouais, il a changé le score, ouais. Football, il a changé. Inch'Allah, dernière épreuve, match à mort par équipe. Ouais. De la mêlée générale. Capture des drapeaux, c'est trop bien ça. Dernière épreuve pour vous départager. Si on peut vous donner un conseil, soyez discret, prenez votre temps. La précipitation pourra vous punir. D'accord. Personne, nous allons vous demander de nous ramener, de nous être ramenés soit par Andrew, soit par Carlos. Nous allons vous informer dans quelques instants qui allez-vous nous ramener ce soir. Sachez que les récompenses ne seront pas comme celles des autres jours. Il y a des gros lots et du hasard. Préparez-vous en tout cas ce soir, je peux que vous repartiez avec les poches pleines. Je vais contacter mes informateurs pour savoir où est la cible et je vous en informe au plus vite. Ok, ok. Très bien. Eh, mon équipe, venez. L'équipe bleue, venez. Charles, on doit kidnapper Andrew. Les gars, 100% on va aller choper un flic. 100%. C'est quoi la fréquence? 100%, oh Mathieu, 100% ils vont nous demander de choper le patron de l'équipe adverse. Hein. Non, 100% c'est 42. 100%. 42 tous les soirs, il passe ses meilleures soirées. Pratiquement, moi je suis. On dirait qu'il y a deux équipes contre une là. Ah, je crois que les Lois sont partis coucher les enfants. Silence pour cette dernière épreuve. Il y a une personne en particulier qui enquête sur nous. Une personne qui se rapproche de plus en plus de nos identités, notre façon de fonctionner, qui nous sommes, de nos proches. Cette personne même, certains peut-être d'entre vous la connaissent. Un policier au nom de Ben Barek Mustafa. Oh le fils de pute. Encore un arabe, putain. Oh, c'était sûr. C'est tous les jours les mêmes. Écoutez-moi bien. Cet individu enquête sur nous et commence à être une menace pour notre organisation. C'est pour cela que nous comptons sur vous pour nous l'amener en vie. Ah, vivant, merde, ok. C'est plus dur, monsieur, comme ça. Ouais. Plus dur, c'est plus dur. Pourquoi dans l'équipe d'enfants, c'est que les affaires m'ont informé que Ben Barek serait actuellement à Los Santos. Ils sont assistants. Ah. Où exactement, je saurais vous dire. Mais... Dans le sud quoi en fait. Quand on s'en est d'accord, on peut être avec d'autres personnes ou Mathieu, que Mathieu, nous n'importe qui. Oh, Gamesplay. Mais la question c'est où le trouver en fait. On a envie. Peut-être à l'unicorne. Tu penses que c'est un mec comme ça lui? Oh, c'est un mec à pit, c'est sûr. Eh hey, mais attendez, Ben Barek c'était mon voisin. Ah bah Ben Barek c'est ton voisin. Alors. Voilà, c'était voilà, non, c'est vrai. Voilà, il avait oui c'est mon voisin Ben Barek. Bah allons-y. Il habite où?
Et il habite à côté du terrain de golf. Terrain de golf. Putain, moi aussi j'habitais dans le quartier avant. Ouais, des fous, juste. Franchement, c'est mon voisin. Attends, je vais aller voir. Au pire, sonne chez lui. Comme ça, après, il va venir voir qui a sonné. Et tu pètes. Mais bien sûr, c'est ce que j'allais faire, croyant. Mais les gars, au pire, nous on fait un braquage du flicat et je demande à négocier avec Ben Barek. Non, en fait, écoute, Gabar. Ça met trop de temps. Tu vois à la casse Balas. Ouais, la casse, ouais. Il y a une prise d'otage là-bas, il y a toute la Ouha là-bas. Ah bah c'est mort alors, on peut pas débarquer comme ça. Hein. Bah en vrai, on est massif, hein. On est massif, mais et... Roya, ouais, je sais. Ils sont surarmés. Ouais, à voir. Oh, il a déménagé, le fils des pites. Oh, l'enculé. Il a déménagé, je pense qu'il a. Mouah. Mais c'est vrai, les gars, on peut vraiment simuler. Enfin, on fait un braquage du flicat et on demande à négocier avec 28. Et à ce moment-là, tout le monde lui tombe dessus. Après, ouais, voilà. C'est un plan de génie, ça. Si quelqu'un a le numéro de Samia Ben Barek, on pourrait peut-être lui faire un guet-apens pour essayer d'attirer, bah du coup... Vas-y, quel est son numéro? Y'a pas un charreau pour une fois qu'un charreau va nous être utile, là? Frère, vous nous avez... De quoi, un charreau, pourquoi? Oui, bonsoir, monsieur. Excusez-moi, certes, monsieur Ben Barek, où est-il? Il est en service ou pas, monsieur? Enlève ton masque devant le commissariat. Il est pas en service? D'accord. Apparemment, il est pas en service, les gars. Non, on appelle par curiosité, monsieur. Voilà, cette en soirée, fait, on veut faire une soirée avec lui. Il a dit quoi? Attends, c'est une idée. Qu'est-ce qu'il y a? Une idée de ouf. Attends, parce que je m'en souviens, j'ai vu des vidéos comme quoi, à ce qui paraît, il avait une maladie. Il avait une maladie? Ouais, et alors? À l'hôpital, peut-être. Eh, les mecs, à ce qui paraît, il a une maladie, donc peut-être qu'il est parti à l'hôpital pour faire ses soins. Ah, comment t'es? Attends. Bien vu ça. Attends, je crois que c'est lui. Ah ouais? Wallah, je crois que j'ai. Wallah, tu crois? C'est un petit blanc là. Empite-le. Les gars, attendez, j'ai cru voir un petit blanc qui lui ressemblait dans un argento. Une sorte de break bleu. Il se dirige vers le quartier Vagos. Ah, je suis pas loin. Argentan bleu. Attendez, je confirme. Excusez-moi les bouffons là. Salut! Bonsoir, monsieur. Salut. Attends, mais c'est Ben Barek. Faites école plus précis pour voir. Mais attends, mais Roya, il faut qu'on te parle de. Samia! Elle est en danger! Je veux pas parler. Mais elle est en danger! Alors, on a trouvé Ben Barek. Le problème, c'est qu'il a une grosse voiture. Les gars, on est derrière lui, C'est où? Balas. On temporise, ne l'agressez pas. Mais Bakarena, on dirige direct sur la casse. Faut le bloquer, ouais. Sur la casse, il se passe quelque chose. C'est là, on a la casse direction Marina. Faites attention parce que on est cramé là de ouf. Ben Barek, arrête-toi! C'est par rapport à Samia! C'est une erreur bizarre, mon gars. Mais c'est Samia! Ou Samira! On est. C'est nous la voiture. Attention, mais ça descend direction en Marina. T'avais dit que je l'avais vu, j'ai vu un petit blond et tout. Oh, t'es vraiment un zenny par parking contre. Rouge. Parking rouge. Ça va direction parking rouge. Direction parking rouge, ouais. Parking central finalement. Direction flic à place des cubes. On l'a. Ouais, c'est trop dur. C'est il a une voiture de fou malade en vrai. Ouais, c'est GMK qui conduit, je crois. Gaffe, il y a un hélico qui. Je crois que c'est DMK, ouais. C'est aberrant quoi. Les vendeurs en roulant en direction quartier BMF. Il est météorite. Ok, on l'a, c'est bon. Ils sont pas les justices. Direction palais de justice. Palais de justice. Non, pardon, excusez-moi. À gauche, ouais, gauche encore. Ouais. Gauche. Ouais, droite. Faites des codes constants, les armes, ouais. C'est posé. Quartier. Oh, dommage, putain, on aurait pu bloquer. Quartier Balas, c'est Roman Valfamilis. Digulaire. Encore. Bénis central. Bénis, central, ouais. Bénis central, là. Central direction Arcadius. Encore. Arrêtez-vous, Ben Barek. Toujours Beniz. Fais demi-tour, Beniz. Cap, les gars, avec le station LTD. Weasel. Oh non, il y a les autres qui arrivent. Oh non. Direction parking central. Mais il passe entre les mailles de filet. Bah, c'est normal, c'est compliqué d'anticiper, tu vois. Putain, là, putain, tous les places qu'ils vont avoir, là, l'état... Quand vous êtes à un carrefour et que vous reprenez la route, on peut jamais la route aux voitures qui arrivent. Allez, un moteur rentre plus dedans, là. On sait que toi, Ben Barek, on sait que c'est toi, hein. On va t'avoir. Allez, Ben Barek. Faites des calls. On va t'avoir. Pont police. L'SPD, point l'SPD. Enfin, l'SPD. Direction Bardock. Moi, pont police, c'est dedans, un bon coup, là. Peut-être le lâcher et... Faut lui rentrer dedans. Il va vers Mirrorport. À droite, Pipoisseur, vers la droite. Ben Barek, rends-toi. Ah, c'est bon, ça fait 15 minutes là, je vais de pite! Direction Marmonta! Oh, le virage! Mais bon, tranquille! Heureusement, il a BS! Direction Marmonta! À gauche! Ok, il a rentré à gauche! Faut l'anticiper là, c'est compliqué là, tout ça! Direction Frigid, il est dans Frigid, actuellement! Vous le voyez! On peut le bloquer de l'autre côté, mais il y aura personne! Ah, c'est mort! On est à gauche après Frigid, ça, la Mesa!
Mitra Freddy. Eh, Ben Barbet. Désolé. Oh, les gens, sors. On a là, venez. Oh, les mon pote, qui descend. À côté des maramboutales, la station essence. En bas de la jugular. Monte. Il est dans la jugular. Attends, il faut le chef, faut le chef. Il est là. Chargé, il faut alors qu'on protège la jugular. Il est où le chef. On arrive. Vas-y, protégez. Ouais, c'est ça. Je vais me poser. Je vais monter dans la jugular. Il y a tous mes collègues qui arrivent là. J'ai fait un appel. Vous allez voir. Go. Foncez. Vous allez voir. Extraction. Direction la mine. Le véhicule orange. Allez. Go. Mais il... Ah, il avait... c'est bon, il est là. Remara, suivez-nous. Protégez le convoi. Moto, je passe devant. Je vous reconnais pas. Empêche-toi. On est. Pizzeria, on va passer par pizzeria. En gros, il y a un convoi, on doit se protéger la voiture orange. Là par contre les whites ont fait le call hein, donc on va avoir tout le monde sur la gueule. Hein. Ok, bah, les... voiture de flic en face. Les gars, moi je reste au milieu, d'accord. Ouais, trace. Non, c'est mieux que tu traces. Personne n'a pas trace. Ouais, c'est mieux que tu traces. Vas-y. Trace. Essayez de certaines voitures s'ils peuvent la rattraper et rester devant lui. C'est avec lui. Bon bah là, derrière. Je suis moto devant, je suis avec vous. Le guépard juste ne tape rien et t'arrête pas. Alors, le barrec, comment tu vas depuis le temps? On peut créer victoire ou c'est trop tôt? Ouais, là on peut créer victoire. Peut-être que ça nous attend à l'entrée de la mine. Oh, t'avoues la tactique de ouf! Ah, tu l'as fait alors, pressé. Ouais, mais il est entré pressé. Ils nous ont mis, ils font demi-tour, Bélec. De toute manière, on va sur la route là, sur l'autoroute. Ok, tracé, on va essayer de bloquer. Écoute, j'ai un traceur dans le cul, je suis piqué, d'accord? Oui, des familles, je crois. Je suis fait choper. Ils sont pas avec nous. Ok, bah faites gaffe là. Families white sont pas avec nous. Attention, devant, tiens. Fais demi-tour, Je bloque. Et par check, qui se remet radio avec nous là, s'il te plaît. Ils ont bloqué l'autoroute, faut faire demi-tour là. Ah mon dieu! Ouais, ils ont bloqué. Faites demi-tour. Okay. Laissez passer d'abord le véhicule. Bloquez pas! Laissez passer le véhicule avec des parecs, s'il vous plaît, les gars. Protégez la jugular. Allez, il y a la jugular. Bouge pas, allez, baisse. Non. Bougez tous. Range ton arme, Range ton arme. Pour un barrage braqué. Braqué. Je sais même pas quelle voiture était avec nous. Attends, C'est ça les gars. Ça je garde à droite. Voilà, c'est qui mène le convoi, c'est Ishan. Attention qu'il se fasse pas bloquer au carrefour là. Je vais bloquer le pas carrefour, vous inquiétez pas. Fais le passer tout droit. Il bloque. C'est bon, ça va passer. Ça passe. Bien joué, ça la jugular. Bloquez-le la voiture blanche. Oh là, Mathieu. Non. C'est à gauche, la jugular. La mienne, une tête à la missile. Du coup, moi je peux partir, c'est bon. C'est bon, on est à l'intérieur. Écoute-moi bien toi, espèce d'enculé, tu m'as même pas pris mon arme. Oh! Ah, vas-y, lève les mains, foire, Kika. Je crois que je t'ai pas reconnu, enlève ton masque. Attendez. Hein? Alors, vous voulez m'enculer, moi? C'est moi que vous voulez enculer, mon enculé? Mais ça n'a rien de personnel, c'est du professionnalisme. Écoute, Ben Barrek, pense à ta femme ou à ta sœur. J'ai plus de femme, enfoiré. Bah pense à toi alors. Ben Barrek, jette ton Glock. Vous allez peut-être m'enculer, vous allez peut-être me buter, hein, mais je vais en avoir un. Peut-être le mec en orange, copain. Non, moi, mais attends, mais j'ai rien fait, moi. Mais écoute, Ben Barrek, je te sauve la vie, d'accord? Je te sauve la vie. Écoute, c'est simple. Toi, j'ai ton nom, prénom. Toi, enlève ton masque devant là. Écoute-moi bien, Ben Barrek. C'est pas vous, c'est le flic. C'est bon, Ben Barrek. C'est pas de conneries, Ben Barrek. Vous allez libérer la voie. Écoute, Ben Barrek, écoute-moi. Tu seras en vie, t'inquiète pas. Tu vas pas mourir, t'inquiète pas. Finalement, je vais être raisonnable. Je te donne mon arme, tiens.
Et bah après, je vais te voler tes lunettes. Ah, j'ai vos noms, prénoms ici, à tous, vous allez voir. Ah ouais, vas-y, je m'appelle comment, vas-y. Je sais plus comment vous appelez, vous pouvez me dire. Ah, voilà. Mec en orange avec une jugulaire orange. Bah moi, c'est le pilote, tu peux m'appeler le pilote si tu veux. Ah ouais, le pilote. J'ai quoi là? J'ai un mec orange, j'ai un Azteca, j'ai un marron. Attention, la tête. Voilà. Et la jugulaire elle descend par des endroits. C'est pas la route à moi, c'est la sécasse. On peut lui faire passer un sale quart d'heure. C'est il est où Carlos, ça c'est lui qui doit le déposer normalement. C'est le klaxon de la victoire. Ah ok. Très bon coup, je reconnais ses vêtements, il est porté. Merci, ça fait plaisir, on est là, on est ensemble. Félicitations à l'équipe numéro 2, c'était l'équipe la plus efficace ce soir. Pour cela que chaque groupe va être récompensé. Je vais demander à un représentant de chaque groupe de l'équipe numéro 2 de s'avancer. Et de se mettre en face de mon collègue. Vas-y. Un seul représentant. Ramène Balin et... Vas-y, bonne chance. L'équipe numéro 1. Mathieu. Je vous invite à... C'est bon, présent au prochain appel. Et... Sachez, en tout cas, vous avez l'information. Toutes les récompenses attribuées ce soir sont dans ces repos. Bien sûr, les récompenses sont différentes. Mmh. À vous de savoir lequel, peut-être. Oh, sans panne. Essayez de vous munir. Mais non. Ah, je prends lequel quand même. Bonne soirée, messieurs. Je vous demanderai de partir. Bon, et si vous avez décidé de tenter de récupérer quoi que ce soit, attendez la sortie de la nuit. Scandale, bon. Combien. Et je vous demanderai pas de pas de coup de feu, s'il vous plaît. Fais le bon choix. C'est la pilule, quoi. T'es casse. Donc ici, Marabouta. Ensuite, Guépard. Guépard. C'est casse. Aoudé. Et la Creeper, si je me trompe pas. Il y a dans ces sous-rompo une récompense. Je vais vous demander à chacun de vous mettre devant un rompo, chacun à votre tour quand je l'annoncerai. Guépard, à vous de choisir. Yo, bismillah. Vérifiez bien. Alors, c'est bien. Ah, c'est bien, oui. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est casse, à vous de choisir. Ça dépend si vous aimez ou pas. Oh putain. Perso, ça me plairait pas, après, je sais que ça plairait pas mal de monde. Ouais, ouais. Sérieux? Pourquoi? Vous aimez bien tout ce qui est téléphonie? Ouais, vite fait, quoi. Ouais, bon, bah alors. Oh putain. Ça devrait vous plaire alors. Oh, ouais, super. Mais t'en es quoi le guépard? Ah, Oudé. J'espère que t'as fait le bon choix. Je sais pas, il me dit téléphonie. Ah, ouais, c'est un choix entre les deux. Enfin, j'espère que j'ai un bon truc. Messieurs, à part moi-même, ici, personne ne sait que contient le rompo. Félicitations, je vous invite à récupérer vos rompos et les sécuriser. Let's go! Faites attention à la sortie. On peut aller voir les gars. On fait carré. Let's go, les gars. Putain, si c'est bien. Sortez de la mine. Vas-y, vas-y, go, go, go. Avant de récupérer la récompense. Attends, je conduis, frère. La truc quand on sort de la mine. Non, 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 c'est moi. Allez. Non, c'est moi qui conduis, frère. Merci de l'organisateur, là, les messieurs. Moi, je suis beaucoup trop smart, frère. Ah, tu la mets dans ton coffre? Attends. Conduis. Non. Toi, tu conduis le rompo. Et moi, en fait, j'ai tout sur moi, frère. En gros, passe devant, tu vois, t'es les leurs, tu vois. Vas-y. Oh mon dieu! Mais frérot, oh merde. T'es un malade toi. Oh merde. Vas-y, monte, vas-y, accélère. Mais il marche plus. T'es sérieux? Mais il marche plus. Mais voilà, t'es le pire. Le pire, voilà, le pire. Vas-y, monte. Mais heureusement que je... Oh là là, mais toi, sérieux. Mais c'est pas de ma faute, c'est fait monter sur la route. Ouais, bah non, bah oui, mais pourquoi tu l'évites pas? Mais t'avais pas vu. Ah oui, d'accord. Oh là, il a fait 10 mètres, il a explosé. T'as voilà. Vu, tu m'as pas demandé s'il allait bien. Tu vois, là, hop, ils savent pas qu'on a la marchandise dedans. C'est vrai. Ils ont les dents, il y en a, ils ont agressé des dents à gauche. Bah ouais, je sais, c'est pour ça que je suis beaucoup trop smart pour eux. Non, t'es croyant. Smart. Non, d'avoue, des dents de cul, là, d'avoue. Alors, t'as aimé mes talents de pilotage ou pas sur Bendarek? J'ai aimé. Voilà, merci beaucoup. Dommage. La petite esquive sur la voiture blanche, là. Vite. Ouais, j'ai vu. Petite fin de frappe. Au calme. Moi, j'ai défoncé le barrage avec la Audi, là. Mon cœur, il battait fort et tout. Je kiffe, moi, quand il y a de l'adrénaline comme ça. Oh, c'est mon cul, il tremblait. Quoi? Je sais pas. Je crois que mon cœur, il est dans le cul, je crois. Ouais, ouais, à mon avis, ouais. C'est possible. L'adrénaline, j'aime beaucoup, moi, tu vois. C'est comme quand je baisse des... Enfin, quand je... Quand je mange des hamburgers. Oh là là. Ah oui, ouais, c'est... Oh là là, j'en mets partout, je suis un coquin. Une grande respiration avant de croquer, quoi. Ah ouais, des fous, ouais. Et je vais aller voir la proc, croyez-moi. On a gagné. Monte, tu veux venir avec moi ou pas? Ouais, bah oui, avec plaisir. Oh putain. Oh là là. Moi, je voulais que tu dises non. J'avais un ami de Tobias. C'était une grosse merde, un gros caca. Une grosse merde, ouais. C'était un Congolais. Ah, et un rapprochement, du coup, entre les deux? Ah non, rien à voir avec les Congolais, non. Mais lui, c'était une de ces poubelles, Roya. Laisse tomber, hein, c'est oh, ma place. Hop là. Ouais, là, on dirait comme dans Mr Bean. Oh, trop stylé. Ouais, il arrive, madame la Ah, on voit même pas tes yeux avec le sapeau. Justement, Roya, parce que si tu vois mes yeux, Roya, c'est que t'es pas prêt de t'en sortir. Vas-y, monte tes yeux. Non, jamais de la vie. Attends, je regarde en tout. Non, regarde pas, Roya. Mais regarde pas, Roya.
Bah oui, bah je t'avais prévenu. Tu penses c'est la meuf à gauche ou à droite? Moi je pensais la meuf à droite. À gauche. Vas-y, non, à droite, c'est sûr. Gauche. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir. C'est la gauche. Droite. Ah ouais, bien vu, bien vu. Droite. C'est la plus belle. Alors, monsieur Canez. Oui, tout à fait. Et je suis avec mon acolyte de la soirée, monsieur Stanislas Bilboulet. Son alcoolique est-il présent? Monsieur Stanislas, c'est ça. Madame. En santé, madame. Madame Garcia, merci beaucoup d'être passée. Je vous donne des nouvelles, bien entendu. Au revoir, madame Garcia. Au revoir, madame Garcia. Merci, au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Elle s'appelle madame Lagarce? Madame Garcia, mademoiselle d'ailleurs. Stanislas, va, mademoiselle. Non, non, absolument pas. Elle va risquer des problèmes. Elle est quasiment fiancée. Quasiment fiancée. Ouais, quasiment. C'est pas. Quasiment célibataire alors. Je suis désolé, j'avais des rendez-vous super importants et tout. Ah non, mais 7, j'en ai eu aussi. Donc, pas de bon, bah ça va alors. On attend votre ami ou pas? Non, 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 pas besoin. C'est un clochard. Clochard? Oh oui, c'est un clochard. Ouais, allô? Dis-moi, beau gosse, vous avez des trucs rentables, vous? Ouais, ouais, j'ai 100 d'Ecstasy, là, j'ai 2 radios, mais là, je suis avec la proc, là, je te rappelle. vas-y, tu m'appelles plus tard, beau vas-y, gosse. Vas-y, bisous. Vas-y, carré. Excusez-moi, madame. Alors, c'était par rapport à l'achat du Galaxy. Donc, Maître Crawford m'avait dit qu'il fallait effectivement déclarer la vente, mais comme il n'est pas là, bah, je le fais moi-même. Oui, en effet. Alors, le Galaxy, actuellement, n'a pas de propriétaire. Si, c'est moi. L'État a décidé d'octroyer la propriété des entreprises en échange de certains engagements, à savoir recruter. J'ai déjà commencé à recruter, ouais, effectivement. En local, ouais. Personnes vivantes dans l'État de Saint-Andréas. Bah, oui, elles sont vivantes, hein. Ah bah oui, ça c'est et sûr. Et de faire en sorte de pouvoir rendre la ville plus attractive. Parce d'accord. Que, bien entendu, vous comprenez bien qu'on veut faire tourner le tourisme. D'accord. Quoi, bah, c'est pour que l'établissement. Non, non, bah madame Laproc, justement, j'ai engagé deux personnes, dont Stanislas et madame Rivera. Et j'ai même entamé des travaux pour que l'accueil soit beaucoup plus accueillante au niveau de la discothèque. Voilà. Vous avez et, engagé déjà deux personnes. Oui, et là, ce soir, j'avais même rendez-vous avec un DJ. J'ai commencé même à faire des démarches auprès du Weasel pour faire la pancarte et tout. Genre, vraiment, je suis quelqu'un du très conventionnel, quoi. Vous n'êtes pas pour la réinsertion, monsieur Canet. La réinsertion? Comme dans Jurassic Park, Zama. Moi, la réinsertion de personnes qui ont justement un passé. Si. Ah bah, j'ai pratiqué la réinsertion avec des meufs, elles avaient un lourd passé, mais vas-y, une pute reste une pute, donc c'est mort. Non, c'est mort. D'accord, donc vous voulez un casier vierge. Oh. Ouais, comme les femmes, je préfère. Au moins, on sait qu'on est les premiers, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, vous savez pas si vous allez être le dernier, par contre. Ah bah ouais, bref. Après, il se démerde, le dernier skin, il va avoir que le reste, quoi. Ah ouais, mais bon. Et des fois, parfois, il reste pas grand-chose, hein. Parfois, les premiers deviennent les derniers. Tu sais, c'est comme au flunch, hein. Les frites à la fin, c'est à volonté, mais voilà, elles sont pas bonnes. Hein. Et madame, vous avez quel âge si c'est pas trop indiscret? Oh, c'est indiscret. Ouais, je sais, bah, si vous avez quel âge si c'est trop indiscret? 32 ans. Machallah! Vous les faites pas du tout, hein? Ah bon? Ah non? De quel âge? Oh, 45, facile, hein? franchement, ça va. Oh putain, il est là, lui. Mais Stanislas, tu. Ouais? Feu rentrer? Oui, alors la sortie, c'est. Invité, donc, la sortie, c'est de l'autre côté de la porte, Stanislas. L'autre côté de la porte. L'autre côté voilà, de la comme porte. Quand t'es rentré, mais en sortant. Attends, quoi. L'autre côté. Comme quand t'es rentré, voilà. Mais en sortant. D'autres questions peut-être? Moi, je suis célibataire. Si j'ai une question. Ah non, merde, c'est vrai, je suis pas célibataire. Si, je suis célibataire, si, c'est bon. C'est bon. Là, je viens de décider. Je suis célibataire, c'est bon. Bref, pour revenir à la question, en tout cas. Merci Mathieu d'avoir sauvé ma mère hier soir. Bonne soirée, monsieur. Merci Stanislas. Mathieu pour les 500 dollars que tu m'as prêté hier. Oh, de rien, avec plaisir. Excusez-moi. T'es vraiment un mec en or. Attendez, je vous ai dit parce que l'informatique, moi, j'y connais rien. Vraiment. Vous y connaissez rien, je vois pas l'intérêt de venir m'aider là. Hop là, petite photo. Non mais arrêtez de toucher pas à mon clavier. Non, j'ai juste pris une photo de vous, Isévoi. Vous avez pris une photo? Parce que je vous trouve vraiment ravissante, quoi. Donc une photo souvenir, quoi. Et pour 45 ans, ça va. Ouais, franchement, bien conservé, voilà. D'ailleurs, madame Hopkins, j'ai un petit service à vous demander, en fonction évidemment de votre disponibilité. Je recherche actuellement des danseuses au sein du Galaxy. Oui, et bah, si jamais vous aimez la danse ou quoi, je peux très bien vous recruter. Et je vous paye au black. Et vous mettez une cagoule comme ça, personne ne vous reconnaît. Pardon? Non, mais ça m'a pas... Mais vous rigolez ou quoi? Oui, j'aime bien rigoler, oui, c'est vrai. J'espère bien. Bah oui, c'est de l'humour, voyons. Vous savez qu'on peut vous destituer de votre entreprise hein, pour un travail dissimulé, hein, monsieur Canet. Ah oui, non, tout est carré. Oh là, tout est carré, je le jure. N'hésitez pas à me contacter pour un petit verre ou quoi.
Galaxy. C'est à l'occasion. De toute façon, je vais devoir vous recontacter parce que. Oui. Avec plaisir, oui, je vais bien. Pour le bien de l'enquête. Ah oui, pour votre bien aussi, hein, vous savez. Il faut rigoler au moins 5 minutes dans la journée. Hein, oui, avec... c'est vrai. Voilà, voilà. Je rigole très rarement. Hein. C'est pour ça que mes traits sont si figés. C'est ça, on l'a. Il n'y a pas que vos traits qui sont figés. Hein. Voilà, donc du coup, je vous ai fait la facture. Je vais vous envoyer l'acte de vente avec les conditions qu'il faudra honorer. D'accord. Ok, bah super. Bah écoutez, prenez soin de vous, madame Hopkins, et puis peut-être à très vite, hein, sait-on jamais, sur un malentendu. Il sera malentendu, oui. Voilà. Écoutez, je vais vous raccompagner, monsieur Canaza. D'accord. Va passer devant, ça me fait plaisir. Dites-moi, petite question là, vos petits maquillages là sur le visage. Oui, hein. Oui. Au hasard, est-ce que vous faites partie d'une secte religieuse qui s'appellerait Ogun? Pas du tout, ça me rappelle le Vietnam, cette histoire, c'est pour ça. C'était en 69, j'ai perdu un œil, maintenant j'ai un œil de verre. Et depuis, j'ai mal au dos. Et d'ailleurs, vous êtes fort pour les massages? Parce que j'ai mal au dos en ce moment-là. Bah, bien sûr, écoutez, la relaxation, c'est primordial. Sérieux? Ah oui. Bah, on peut se donner rendez-vous, là. Pas pour vous faire un massage. Oui. Vous avez mal aux épaules. Ouais, le dos, là. Là, juste le dos, là. Tu vois, là, j'ai le dos courbé, tu vois. La petite courbe, là, j'ai mal. Ah bah oui, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est de marcher sur le dos. Ah ouais? Tu pourrais faire ça pour moi? Ah ben bien sûr. En plus, j'ai des talons bien pointus, ça va vous débloquer les nerfs et tout. Non, mais je pensais plus avec les mains, moi. Oui, avec les mains, mais vous savez, il faut vraiment un massage rigide hein, quand on a mal au dos comme ça. Hein. Ah sinon, oui, d'accord. Bah écoutez, ce qu'on peut faire, moi j'ai une suite royale au-dessus du casino, un de ces quatre, si vous êtes disponible un soir, vous m'envoyez un petit texto et comme ça on se capte là-bas. J'ai un spa et j'ai une table de massage. Un spa en plus, c'est génial. Oui. Vous avez un hammam. Oui, j'ai un hammam, j'ai même un sauna. Ah oui, c'est génial ça. Ouais, pour vous détendre et tout au calme. Bien sûr, dans le respect des conventions de Genève. Hein. Écoutez, j'espère bien. Ah oui, je vais pas sortir l'artillerie lourde quand même, ça va pas la tête. Ben non, ça va pas. Voilà, et ben on fait comme ça alors, ben parfait. Mais écoutez, à l'occasion, bien sûr. Et je peux inviter des amis ou pas? Ben bien sûr que non. Comment ça? Mais non. Bah non, c'est pas possible. Un massage, c'est quelque chose de très personnel quand même. Et mon dos, c'est quelque chose de personnel. Vous savez, hein, quoi? Vous avez des amis, vous? Non, c'est pas possible. Bien sûr que j'ai des amis, vous croyez? Ah ouais? En fouinant comme ça dans les dossiers des entreprises, vous avez des amis, ça m'étonnerait. Bah, bien sûr que j'ai des amis. Bah, à part des ratons laveurs et des renards, ça m'étonnerait. Hein. Oh, bah alors là, vous êtes très mal informé, monsieur Canez. Hein. D'accord, ça c'est peut-être possible. Non, mais on commence par vous, et si ça me plaît, peut-être après avec vos amis. Non, mais je vous ai pas dit que mes amis allaient vous masser. Nous, on veut profiter du sauna et du hammam. Ah non, moi, moi, vous savez, moi, je suis quelqu'un de très fermé d'esprit. Hein, je peux pas, je deviens parano. Ah, vous devenez parano? Bah oui, imaginez une horde d'individus dans ma suite royale au casino. Je vais penser peut-être qu'ils en veulent à ma personne et tout. Et comme je suis un businessman, peut-être qu'ils vont vouloir me prendre en otage. Et bref, moi, je vous connais, vous êtes procureur, vous pouvez pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, je peux pas faire ça, mais du coup, voilà. Je m'entoure pas de personnes étranges. Bah ça, ouais, vite fait, t'es mal à la statue, wesh. Voilà, il a une tête de fou, lui. Attendez, n'insultez pas le premier gouverneur de San Andreas, quand même. Ah, bah ça se voit que c'est le premier, parce qu'il avait pas toutes les mises à jour, hein. Oh la vache, il était en 2D et tout. Après demain soir, peut-être dimanche soir, vous êtes disponible? Oui, potentiellement, oui. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Eh ben, on pourra se capter dimanche soir si vous êtes disponible alors. D'accord, très bien. Eh ben, on fait comme ça. Si j'ai pas trop de travail, parce que... Oui, mais moi aussi, bien sûr, j'ai beaucoup de rendez-vous. J'ai dit peut-être, hein, c'est pas sûr. Hein. Peut-être, ouais. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, on fait comme ça, super. Allez, venez, je vous raccompagne. Oui, raccompagnez-moi aussi. Ben, bien sûr, voilà ce qu'on fait. Hop, je vous donne ça, et vous me le redonnez dimanche soir, vide. Voilà. Vide. Bah oui, non, c'est parce qu'avec le travail et tout, des fois, il faut un petit remontant, donc vous penserez à moi d'ici dimanche soir, quoi. Ouais, c'est vrai que j'en ai besoin, hein, c'est vrai. Ah ouais. Allez, on se fait pas la bise, mais le cœur y est, hein. Oui, le cœur y est, monsieur. Allez, au revoir, madame Hopkins. À bientôt. Au revoir. À dimanche soir. Qui a changé de place? C'est Panterol, la vie de ma mère, c'est Panterol. Ah, pas de fils de putain de ma mère. Ah, putain, les gars, vous avez du mal ou quoi? T'as gagné quoi, Guépard, entre nous? J'ai eu 100 Dexta et 2 radios. T'as pas putain, eu c'est pas ouf, hein. T'es bien. C'est pas ouf. Vous avez quoi, vous? 4 Beretta et 100 Extant. T'achètes les gilets T3. Attends, 4 Beretta et quoi? Et 100 Extant. Le meilleur lot, c'est quoi, vous pensez? Il y avait une automatique. Ouais, c'était quoi comme automatique? Bah, je crois qu'il y avait une AK, mais je sais pas où. L'AK, ça se revend 300K, ça. Ouais, bénéf. Je crois que c'est soit une AKU. Et l'Extant, ça se vend combien, ça? Ça dépend. Dans le nord, ça doit être vers 600. Quoi? 600, 500.
Ah ouais. Et au sud doit être 300-200. Ouais, ouais, faire un... Ah c'est ouais, Stan. Attends, attends, tu m'as dit que t'as eu deux quoi? Restez là, restez là. J'ai eu deux Kinder Surprise et dans les Kinder Surprise il y avait déjà des jouets que j'avais déjà eu quand j'étais petit, ça m'a dégoûté. Ah d'accord, ok. Oh c'est Riggs. Ah. Ça va? Bonjour. Direct de ville. Allez Stan, laisse monte. J'ai rendez-vous avec la prof dimanche soir. T'as entendu des petites cassateries là et tout? Mais hé, rendez-vous Zerma perso hein. Ouais, rendez-vous, ça va... Ah ouais, ça va... Bam, boum, ah, ça va cartonner dans les annales, quoi. Hein? Ah ouais, mon pote.